Docteur Samir Al-Mallah, bonjour. Vous êtes gynécologue, professeur à l'université et ex-doyenne de la faculté de médecine à l'université d'Al-Azhar. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Au cours de notre précédente rencontre, nous avons passé en revue quelques aspects de votre carrière et aujourd'hui, nous allons continuer un tour dans votre monde. Tout d'abord, on aimerait savoir si, avec la nouvelle technologie et le développement, est-ce que la nouvelle technologie est susceptible ou sera susceptible de remplacer le facteur humain à un certain degré quand même? Remplace, non. Mais la technologie nouvelle nous aide beaucoup dans les décisions, dans la diagnostic, le diagnostic qui vit vite fait. Dans le temps, on devait avoir plus de temps pour avoir un vrai diagnostic. Maintenant, avec les nouveaux appareils et les choses, on voit tout. On voit le bébé dans le ventre, depuis le commencement jusqu'à la fin. On le voit bien. Alors, comme vous le disiez, voir le bébé, à l'époque, durant les années 50, 60, 70, que faisiez-vous pour vous assurer que le bébé et le fœtus allaient bien? Avec le truc sur le ventre des femmes. Des choses comme ça, mais Yanni... Est-ce qu'aujourd'hui, avec la pollution, on pourrait dire qu'il y a plus de malformations ou au contraire, avec la nouvelle sensibilisation vis-à-vis du mode de vie sain, il y a moins de malformations? Comparer les malformations ici avec l'Europe, les malformations sont là-bas très grandes. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Dans des parties, par exemple, les parties de Heidelberg en Allemagne, quand on travaillait là-bas, il y avait beaucoup de malformations. Il paraît qu'il y a quelque chose d'atomique, je ne sais quoi, dans les environs, mais je ne sais pas. Mais en Égypte, on les voit rarement. Ce n'est pas beaucoup. Et pourquoi alors? Du moins, il y a moins de pollution là-bas? Oui, je sais. Mais la pollution là-bas, c'est atomique, ce sont ces appareils, ces trucs. Mais chez nous, il n'y a pas beaucoup. Non. Justement, l'alimentation. Dans quelle mesure l'alimentation affecte le fœtus? Je veux dire, il y a une fortune. C'est une fortune vraiment que c'est mal formé, des bébés mal formés. Il y a toujours des avortements. Ça ne continue pas. D'habitude, ce sont les avortements, disons 70%. Sont tous des malformations. Alors, je dis alhamdoulilah. Oui, pour parler d'avortement, on dit que les chats à la maison peuvent causer par la suite de fausses couches. Est-ce qu'il y a un remède à cela? On dit, mais c'est la vérité. Et quand les petites filles ont un chat à la maison, ils vont chez le docteur, ils lui donnent les vaccins. Ils sont propres. Mais les chats de la rue, ça oui. Et si on a des poulets à la maison, oui, mais personne n'a des poulets maintenant à la maison. La gynécologie, entre autres parmi toutes les spécialités médicales, empiète réellement sur la vie privée. Vous ne pouvez pas décider du moment où un bébé décidera de venir au monde. Alors, dans quelle mesure ceci a empiété sur votre vie privée, vous, en tant que femme de mère de famille, épouse? Je n'ai pas pensé à ça dans le temps. Dans le temps, je pensais, j'avais un MTS, ça veut dire excellent en chirurgie générale. Et j'avais un excellent en gynécologie. Je pensais, ça c'est peut-être ce que je dois faire puisque j'ai des bonnes notes dans le temps. Mais naturellement, je ne savais pas quel travail ça va être les premiers 10 années. C'était horrible. Mais après, les choses changent. Tu donnes la partie difficile du travail, tu donnes aux jeunes gens. Est-ce que vous continuez de travailler toujours? Oui. D'abord, à l'université, j'assiste naturellement à tous les examens. Et je donne mes lectures. À l'université, seulement le travail administratif que je n'ai plus. Mais les autres travaux, c'est la même chose. Et puis, je suis spéciale, puisque je ne veux plus avoir le patient privé, j'ai fermé ma clinique.
parce que je deviens trop vieille d'abord. Non, non, non. Et puis j'habite à Churuk, c'est un peu loin. Et quand j'avais la clinique privée, je finissais trop tard. Et pour aller à Churuk, on doit aller dans le désert. Je ne pouvais pas venir le soir seule. C'était pas. Je ne voulais plus. Alors, je suis maintenant. Où? Oui, je travaille à des hôpitaux de la police. Et ça, c'est très très bien parce que j'ai les jeunes docteurs que j'enseigne dans les cliniques. Ils assistent même à les lectures parfois à l'université. Et puis, je leur apprends cliniquement comment faire. Et puis, dans les salles des opérations, je travaille avec eux aussi. Docteur Samir Al-Malleh, quel est le meilleur conseil à donner à un jeune médecin qui est au seuil d'une nouvelle carrière, pour qu'il soit sûr qu'il est sur la bonne voie? D'abord, il doit aimer la matière qu'il fait. Et il doit avoir des ambitions. Et s'il n'a pas d'ambition, ça ne va pas. Et puis, il ne faut pas penser à l'argent du tout. S'il pense à l'argent, la science, on peut la oublier. Alors il doit faire quelque chose d'autre. C'est ou la science ou l'argent. Oui. Ça n'a pas de sens, parce que ça ne va venir à rien. Les jeunes sont d'habitude trop sûrs d'eux-mêmes et estiment qu'ils maîtrisent une nouvelle école, une nouvelle façon de voir les choses, c'est du nouveau sens. Que pouvez-vous leur dire? Ils veulent arriver vite, c'est tout. Ils veulent arriver, comme nous aussi nous sommes arrivés, mais vite. Ils n'ont pas de patience. Et ils ne veulent pas lire, ça c'est mon problème. Quand je commence avec quelqu'un, la césarienne par exemple, et il commence à faire bien, je lui dis « tu as lu ?» Il dit « non, j'ai jamais lu. » Comment ? Lire quoi ? Les livres techniques pour ça. Pourquoi pas ? Il dit « mais vous m'avez dit tout, ça ne va pas. » Parce que, et puis il y a quelqu'un qui est très très jeune, un jeune garçon qui travaillait avec moi, il me dit je ferme le péritoneum, je le fais comme moi je pense. J'ai dit quoi, tu es quoi, toi? Combien d'années maintenant tu es docteur? 4 ans? Ça ne va pas. Est-ce que ceci s'applique à tout le monde, gynécologue, chirurgien, psychologue, psychiatre, tout? Je pense, parce qu'il faut lire, parce que la médecine, c'est une matière où on doit continuer à lire tous les livres, les publications, ça n'a pas de sens si on reste là, on devient comme le docteur ce qu'on appelle halal as-saha, oui, en arabe. Voilà. Et puis, les complications viennent de ça. Parfois, il y a des étudiants, mais pas un étudiant, un jeune docteur qui me téléphone la nuit, il dit, j'ai fait cette opération, mais j'ai, je ne sais pas, quelque chose qui marche mal. Alors je lui dis, tu as lu? Tu n'as pas lu? Maintenant, on ne le fait plus, ça. Parfois, ils entendent parfois. Ils font, on dit, mal, la dernière fois, la prochaine fois, je vais autrement. Ça dépend. Moi, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais je leur dis, si tu commences comme ça, ça ne va pas finir bien. Donc il faut lire, il faut avoir davantage d'informations, être toujours à la quête du nouveau, mais sans toutefois penser à l'argent. Ça c'est... L'argent est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important, mais ça ne doit pas être numéro un. D'abord la science, et puis l'autre. Parce que l'argent viendra par la suite. Si on est bien, ça va venir. Ça va venir dans le temps qui est juste. Vous savez, on ne peut pas commencer par... Et on n'a pas rien dans la tête, ça ne va pas.
Dans les régions rurales, les femmes, en général, par tradition et par pudeur, ont plutôt recours à la sage-femme plutôt qu'au gynécologue, étant donné que les femmes ne sont pas toujours, les gynécologues femmes sont toujours disponibles. Dans quelle mesure ceci est grave? Ça, c'est un grand problème parce que les spécialistes de la gynécologie, personne ne veut aller dans les pauvres parties de la Égypte. Ils veulent toujours être dans des grandes villes. Je crois que la sage-femme n'a plus de place maintenant. Les gens ont remarqué que les catastrophes ne viennent que d'eux. Quand j'étais encore à l'université du Caire, les nuits étaient terribles avec toutes les femmes qui venaient avec des fautes faites par les sages-femmes. C'était une catastrophe. Ça, je ne vois qu'en Haute-Égypte. En Haute-Égypte, encore, les femmes ne veulent pas aller chez un docteur. Alors, les problèmes sont plus grands. La mortalité maternelle est plus grande en Haute-Égypte parce que ils ne veulent pas que leur femme doit être soignée par un homme. Et ça, c'est un problème. Ne pensez-vous pas qu'il y a un travail à faire de la part des sociologues, des psychologues? Oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce que vous avez le temps de visiter des endroits moins privilégiés? Oui, de temps en temps, je vais en Haute-Égypte et je vais aussi au Delta, à Sharjah. De temps en temps, oui. Mais si je peux enseigner les jeunes docteurs là-bas, je le fais. Et si je peux voir quelques patientes pour leur expliquer. Je leur explique, si tu vas chez ton docteur, dis-lui ça et ça et ça, il va comprendre que tu comprends. Il y en a de temps en temps. Docteur Samir Al-Mallah, à l'heure actuelle, il y a les médecins qui sont surchargés, qui ont plusieurs cliniques, qui ne donnent pas assez de temps aux patients. Il y a de longues heures d'attente. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Difficile à répondre à votre question, parce que oui, on reste des heures. Même moi, quand j'avais un problème avec les osteoporoses, je devais aussi attendre longtemps jusqu'à ce que... Et c'est un collègue que je connaissais bien. Mais tout de même, je ne peux pas... Il y a 10 autres patientes qui attendent. Je ne peux pas aller parce que moi, je suis docteur. Je dois attendre. Mais ce n'est pas chez tous les docteurs. Il y a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de travail. Et surtout, c'est quelques docteurs qui sont vraiment difficiles à... Et ils n'ont pas le temps. Est-ce que c'est positif ou négatif, le fait d'avoir plusieurs cabinets? Je crois que c'est négatif, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec les patients. Et c'est une chose purement financière, si vous me demandez à moi. Si j'ai une clinique à Heliopolis, pourquoi je dois avoir une à Doki? Pour avoir plus de patients, plus de l'argent, plus, n'est-ce pas? Et puis c'est loin, là, pour aller là et là... On doit avoir un hélicoptère, n'est-ce pas? Comment évaluez-vous la femme égyptienne, ses conditions de vie, sa santé, étant donné qu'elle a énormément de fardeaux sur les épaules, notamment dans les régions rurales et les moins privilégiées? En général, la femme égyptienne, dans cette partie du corps, elle est une des plus propres. Même dans les pays arabes, que j'ai été quelques années, et même en Europe, d'habitude, elle est très propre dans cette partie. Les maladies qu'elle a, c'est parfois des fautes d'accouchement, ou bien des infections qu'on peut avoir par des toilettes ou par des choses comme ça. Mais
je crois qu'elle est vraiment, comment dire, elle pense bien à cette partie qui doit être toujours bien propre. C'est aussi la religion. Est-ce qu'elles ont suffisamment de connaissances? À commencer par les circumcisions. Il y a pas mal de préjugés sociaux. Est-ce que vous avez travaillé sur ces préjugés? Vous avez aidé à les changer en partie? Oui, bien sûr.